Salut à tous et à toutes, c'est Zorgul. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la carrière manager FIFA 17 avec l'Inter de Milan. Donc voilà, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les regarder. Alors, ouais, attendez, t'as joué. Hop, donc on va jouer le match. On se retrouve pour les meilleures actions une fois que j'aurai lancé le match. On va aller faire jouer comme ça en bleu. Qui est stylé le dernier maillot. Ouais, bon, on va laisser la composition normale, l'équipe type quoi. Et puis c'est parti quoi. Chargement. Hop, les petits entraînements. Enfin, les. Pour patienter, quoi. J'ai des lags en mode carrière. Le truc qui est improbable. J'arrive à l'avoir. C'est vraiment ouf. Allez, le dernier. Hop, c'est bon. On joue. Chers amis, bonjour, bienvenue pour ce match. Je regarde suis juste avec leur un drôle de personnage qui vient de s'asseoir à côté de moi. Votre nom est Pierre, c'est ça? Ah oui, par contre. Ah, je crois que ça va passer ça, mais bon, tant pis. Par contre, faut que je règle les paramètres. Audio. Appel joueur. Ouais, ça va. Il fait sonneur. Ah voilà, c'est après, on m'entend plus parler. L'affiche du jour, le Kivu Vérone face à l'Inter. Première titularisation pour la toute dernière recrue du milieu. L'équipe avait besoin de se renforcer dans le secteur, évidemment, on compte beaucoup sur lui. Alors l'info du jour, c'est l'apparition du nouveau défenseur latéral, à peine arrivé, dans le 11 de départ. Il y a son entraînement devait se renforcer dans ce secteur, donc le voir, c'est évidemment très bien dans le grand bain. Bon, c'est dans un plan, je vois pas de stade qu'on va suivre ce match. Bon, on se retrouve pour les meilleures actions. On verra un peu une arène romaine. Enfin, le capteur. Ouais. Ah, il perd le ballon, bon tac là. Vas-y, la frappe. L'adversaire qui rit de ce ballon. Vas-y, se rapproche du but adverse. Elle la oui. Balle à la frappe. Oh, c'est l'arbitre qui va demander au choix. Oh là là. Pour combien de temps il s'est blessé lui? Bon, on va faire rentrer Brozovic. Comme ça, Brozovic, bon, on va lui accorder du temps de jeu. Comme ça, Mélo, il va être blessé. Ah, là, le joueur blessé, peut continuer. Non. Ouais, de 7 secondes période. Très bien, une victoire, ça serait vraiment un bon début de championnat, ce serait cool. Ouais, ça c'est bien joué. Oui, ça peut être bien joué. Oh, ça allez, oui oh, c'est le but qui leur permet de passer devant. 1-0. Yes, qui c'est qui marque? Insigné. Voilà, grosse frappe dans le calme, enfin, presque dans le calme. On est bien placé. Ah, le gardien, on ne pouvait rien faire. 1-0. Nous sous un autre angle. Kandreva. Oh, comment on tire ça. 1-0, hors de portée du gardien. Ah ouais. Il aurait fallu attendre la seconde. Mbappé, Kylian qui fait la bonne passe. Ah, oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Kylian, oh, faute. Oh, même pas. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Allez, ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Il a choisi de centrer. Et tu allez wow. C'est quoi ça? Sur l'ensemble du match, ils sont éliminés. J'ai l'impression qu'il y a que des c'est une certitude, une information confirmée désormais. Gonzalo Higuain
a signé à la Juventus de Turin en provenance du Napoli. Quand je vois le gardien qui va sortir. Oui. Oh, le gardien. Oh, mais la passe, la passe se poursuit. Il y a avantage, c'est bien arbitré. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Non, non, non. Non. Non, 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 allez. Ouais, monsieur le spectacle avec efficacité. Même si la frappe et ça sort, ce sera un corner, l'une des dernières occasions de la rencontre. Il faut s'appliquer. Mais non, mais j'ai la balle. Vas-y, pas de c'est, pas de c'est. Allez, récupère la balle. Récupérez la balle. Ils sont quoi, mes joueurs? Regarde. Arrêtez de regarder les autres jouer. Le joueur qui s'est retrouvé seul face au gardien au terme de cette attaque. Il aurait dû laisser le jeu. Bon, bah, 1-1, un score absolument pas mérité. Il marque sur un tir, mais. Tu te demandes comment ils ont marqué, quoi. Tir, ça revient. Une tête, ça revient dans la barre. Hop, il refait une tête, comme ça, ça se dépose sur sa tête. C'est... La barre, elle a fait une passe décisive. Bon, on n'avait pas de chance sur ce match-là. Match nul. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il y avait vraiment moyen de gagner. Et puis bah nous on gâche en match. 4 semaines mélo. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah ouais, parce que là 4 semaines quand même. J'ai de la réserve mais bon. Bon, ça va être à Brozovic de jouer. Et donc lui bah il va venir. Dommage, Mbappé, enfin Mbappé Lotin, on va l'appeler Kylian, c'est son prénom. Et donc, allez hop, ça reprend. On fait le petit entraînement. Enfin, on va les simuler parce que j'ai pas envie de les faire, ça prend trop de temps, c'est du temps perdu. Hop. Donc, Kondogbia. Kondogbia, il est à combien? 78. Ouais. Ouais, il est assez prometteur quand même. Bellerin. Bon, Bellerin, de toute façon. Modèle. Bellerin a failli prendre un plus. Enfin, il a failli prendre. Un plus en interception, en marquage. Bah la prochaine fois il prend un plus en tout ça. Donc on va. Je sais vraiment pas ce que je dois faire. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. J'hésite. Si j'essaye de recruter Ozzy. Enfin, pas en prêt. Non, me dis pas, ils l'ont vendu. Achat. Ah, il doit coûter 100 millions. Voilà, 100 millions quasiment. 90 millions, ça ferait vraiment un transfert, mais énorme. Il a 89 de général, ça serait énorme si qu'ils viennent quoi. Il y a aussi Alors il y a aussi Chourle que. Je vais voir ses stats. Il joue pas au Bayern normalement, mais je crois qu'il a été recruté. Ousmane. Ouais, donc c'est ça. Il a été recruté. Ginter est très bon aussi. Bon, donc voilà. On va simuler jusqu'au prochain match. Je pense qu'on va faire 3 matchs par vidéo.
Ah, Mesut Ozil accepte. Ah, on va peut-être avoir une vraie star. Une vraie star. Titulaire, bah, indiscutable, hein, parce que Banega, de toute façon, si Ozil il vient, Banega, je peux pas le virer. Ah, je le mets en prêt parce que Banega, vraiment, j'aime pas trop. Comme très bon joueur en milieu offensif. Qu'est-ce qu'il y a en joueur français? Ouais, mais après c'est sûr, on va tomber sur tous les joueurs pourris en MOC. Jusque 50 ans, ça peut aller, mais il y en a, ils ont vraiment envie de jouer, hein, parce que pour jusque 50 ans, faut vouloir. Et à lui déjà à 32 ans, il commence à faiblir. Cabella, il est bon, mais bon, c'est pas non plus le meilleur. Hein. Juan Gourcuff, c'est pareil. Ah ouais, donc il n'y a personne en MOC en fait, français. Que des nuls. Invite ces joueurs à faire preuve de contrat accepté. Eh. Oh là là, les gars. Là, vraiment. Vraiment, là, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on fait signer une star? Mesut Ozil. Est-ce qu'on fait signer une star ou pas? Est-ce qu'on fait signer une star ou pas? Qui d'ailleurs me coûte la moitié de mon club. Hein. Là, sérieusement, là, ouais. Est-ce qu'on fait signer une star? Je sais pas. Je vais attendre. Alors, qu'est-ce qui. Alors, ouais. Loris Mandanda, Ruffier, Kossen, Varane Laporte, Sagna. Umtiti, Kurzawa, Debuchy, Pogba, Matuidi, Payet, Ben Arfa, Diarra, Martial, Kanté, Sissoko, Griezmann, Lacazette, Gamero, Coman. Et on va soumettre l'équipe. N'est pas autorisé à partir. Ah ouais, mais là, je sais vraiment pas quoi faire. En plus, on va arriver à la fin. Je suis encore augmenté, je suis à 83 maintenant. En fait, ça augmente super vite leur truc. C'est marqué sur 2-3 années et tout ça, mais en fait, ça augmente super vite. Voyez ma tête à quoi je ressemble dans le jeu. Ah, ça fait pitié. J'avoue, ça fait pitié. Donc, obtenir 100 000 de revenus grâce à la vente de maillots en une saison. Ouais, mais ça, c'est pas moi qui gère, quoi. Là, augmenter la valeur de 20%. Ouais. C'est ça, là, que j'ai terminé. Recruter 4 joueurs de centre de formation. Gardien défenseur milieu attaquant. Ok, bon, peut-être. Bon, on va jouer le match. Et puis, bah, on se retrouve pour les meilleurs moments. Et mais en fait, je dis toujours ça trop tôt. C'est ouf. Gabriel, je vais le faire jouer à la place de Icardi. Parce que je suis pas satisfait d'Icardi. Mbappé. Et le faire jouer à la place de Perisic. Et on va partir comme ça, hein, je pense. Et oui. On change. Moi, je change quasiment pas l'équipe type. Des fois, je fais quelques changements. À la mi-temps, je fais souvent des changements. Enfin, souvent, tout le temps des changements. Mais sinon, je fais pas beaucoup de changements. De départ de l'équipe type, donc c'est ça qui va. Ouh là là, mais ça lag. C'est ça que je vais devoir gérer parce que là, la première saison, je crois qu'on joue rien.
On joue pas de coupe. Bonjour on joue... à le tous. stade, merci il est bien fait, d'être hein. Il est avec bien réalisé. Je suis avec je crois Pierre qu'il a Gilles joué la ce première match. Saison. On a mais après, il va jouer peut-être la Ligue des Champions, des trucs comme ça. Donc il va falloir que je gère l'effectif. Ouais, belle oui, c'est un brillant technicien, très agile avec le ballon et un excellent dribbleur. Ouais, les gars, très agile avec le ballon, qui frappe à côté, mais c'est une blague. Antonio Candrela. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Omega. Ah, c'est pour le gardien, dommage. Le ballon qui sort. Le gardien n'a pas fait le couvert. Hein. J'espère pas qu'il va sortir le mec pour sa vie. Oh là là, le poteau. Oh, l'intervention du gardien. Oh, le poteau. J'espérais pas. On s'est lié. Brozovic. Brozovic. Hop, il a vu la paire. Gabriel. Gabriel. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, bon tac. Vas-y. Oui. Oui, bah les gars. 1-0. Alors là, la frappe sur le magnifique. La mesure sur la personne. T'es déjà considéré comme la plus forte en papier, tout comme elle ne déçoit pas. Rien du côté, hors de portée du gardien. Pareil. Par contre là, là, il faut qu'on tienne. Au tableau d'affichage. Il faut que. C'est pris un carton jaune. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Attention, ça peut être dangereux. Ouais, ouais, il vient tacler, mais ce n'est pas fini. Ouais. Mbappé. Gary Medel. Ouais, c'est le face à face. Oui. Non. Pas de soucis pour le gardien. On gagne 1-0. Une frappe tentée, un but. Vraiment pas mal. Je pense. Les ailiers, on les voit pas beaucoup. Là, je vais donner du temps de jeu, comme on mène. Brozovic, je vais le faire souffler un peu parce qu'il a pas le. Il a pas le physique pour tenir 90 minutes. Et l'entraîneur qui va procéder à donc, deux changements simultanés. Que... Peut-être une bonne opportunité, attention. Attention. Ouais. Ça n'ira pas. Ça peut aller au bout. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Pas dégâts. Allez, attention, il se rapproche de l'adverse. Oh, ben, les gars. Tacle. Il file pas, ce n'est pas au bon joueur. C'est bizarre, ce joueur. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Oui. Penalty. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un penalty, il sort de nulle part. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Si... Je pourrais nous montrer le ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est blessé. Attends, on peut plus. Il est blessé, lui. Ah bah, je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, je vais changer de tireur. On doit bien qu'à la meilleure... Ah, j'ai pas l'habitude de tirer avec un gaucher. On va le tirer où? On va le tirer ici. Et on va le tirer. C'est parfait. On les autres. Le tireur qui transforme ce penalty. Alors là, même si le gardien va congé, il aurait fallu. Allons, Pélo. Regardez là. Michel Manganella. Attention, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Ça va être dangereux. Attention, attention, vraiment. Attention, la frappe. Ouais, on a un sans gardien. En fait, attention, la frappe. Il nous sauve tout le temps. Et le ballon bloqué par le gardien. Donc, petite victoire. 2-0. Banega, homme du match. La Juve elle joue pas. La Juventus. Non, elle joue pas. Parce qu'elle a mis 4-0 à son premier match. Donc. Donc c'est la fin des transferts là en plus. Stade des meilleurs buteurs.
En calcio. Nous, est-ce qu'on a un meilleur buteur? Kondreva et Banega. Meilleure offre. Ah ouais, quand même. Quand même. Quand même. Gagne son deuxième match. Eh ouais, donc moi je gagne mon deuxième match. Par contre, Ozzy. Qu'est-ce que je fais? Je le recrute ou je le recrute pas? Enfin, c'est pas le Kendrick qui m'intéresse, c'est. Tableau, mais pas de ça. Ouais, voilà. On est deuxième. Deuxième journée, on est tous à la même journée. 4 points. Ah ouais, mais par contre, si on perd. Si on perd, on redescend dixième. Minimum. Naples, ils sont premiers. Ah ouais, donc voilà. Coupe d'Italie. Ah, est-ce que nous on fait la Coupe d'Italie? Ouais, on fait la Coupe d'Italie. Coupe des champions. Est-ce qu'on fait la Coupe des champions? C'est-à-dire la Ligue des champions, je crois. J'essaie là, je repasse. Non, donc on fait pas la Coupe des Champions. L'Euroligue. L'Euroligue, je me vois pas non plus. Pas d'Inter. Donc vous voyez, on joue juste la Coupe d'Italie. Donc on joue pas grand-chose. Donc normalement. Ça devrait le faire. Contrat accepté. Bon, je pense qu'on va le recruter quand même. Mesut Ozil, ça se refuse pas. Ah ouais, mais. Ah les gars, je sais vraiment pas quoi faire. Allez, je le recrute. C'est ma décision de manager. Hop, une nouvelle recrue. Donc j'ai recruté Mesut Ozil. Ah ouais, bah les bénéfices sont repartis à moins. C'est pas grave. Hop. Donc on va le chercher. 89. C'est le joueur le mieux noté. C'est le joueur le mieux noté. Donc hop, toi tu vires. Hop. Ozzy. Alors là. Là, ça va faire du changement. Là, on n'a plus d'excuses des passes ratées et tout ça. Ozzy. Donc. Calendrier. Donc, on a fait deux matchs. Donc, je vais faire le dernier match. Qui sera donc un match de d'équipe nationale. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'ai l'équipe de France. Équipe de France. On simule les petits entraînements. Enfin les petits. Les entraînements. Je sais, j'entraîne quasiment tout le temps les mêmes joueurs, mais c'est parce que bon, il n'y a pas grand monde à progresser dans mon club. Et puis bah. C'est ce que je trouve l'entraînement le plus juste. Hop, continuer. Inter 90 millions. Ah, j'espère qu'il va mettre des passes décisives et des buts. Hein. Ah ouais, parce que là, s'il fait rien. Est-ce que. Là, la question se pose. Est-ce que je vends Icardi? Alors, sachant que j'ai qui? J'ai Eder. Non, je. Non, je vais pas le vendre parce que il a que 23 ans, il est encore très très jeune et puis bah il va progresser, ça c'est sûr. Ah donc j'ai mis la fin du marché des transferts. De toute façon moi bah, j'ai fait mes petits transferts.
Qu'est-ce que je fais? Dépenses totales 31 millions. Bah, de toute façon, j'aurais mis les 90 millions là le dernier jour. Ça aurait augmenté vite. Hein. Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient capables de mettre plus de 90 millions. Luis Suarez. Ouais, bah, de toute façon, je peux pas faire. Je peux pas l'acheter, de toute façon. J'ai acheté Ozzy. Pas Luis Suarez. Qui serait quand même ouf de voir Ozzy. Oh là là, ils m'ont battu. 115 millions Manchester United. Alors là, vous imaginez, ça aurait été ça en vrai. Ils ont recruté Pogba à 120 millions. Suarez plus Zlatan, Mkhitaryan et Bailly. Mais le transfert qu'ils ont fait, et c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Ranocha. Oh bah. On va accepter, hein. C'est toujours 7 millions de prix. De toute façon, il jouera pas, donc voilà, un petit transfert, un joueur de plus ou de moins, ça se verra pas. Donc voilà la composition d'équipe. Je pense vraiment, on va jouer contre le Portugal, je vais pas avoir de scrupules. Ah là, je vais les exterminer pour me venger de la finale de l'Euro. Le club espère recruter Rakitic. Ouais, Manchester City, ouais, bah, c'est trop tard, hein. City vendu, ouais. Hop, et donc la fin des transferts, 295 millions de total dépenses du jour. Et donc, rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Oui, mais c'est toujours le même, mais je peux pas le recruter, ils ont toujours pas compris ça, eux. Non. Non. Non, c'est... Oh, les gars. Et les filles. Oh, il se passe quelque chose de fou, là. Je commence à lire blessé à l'entraînement. Je fais ok. Là, je regarde. Un joueur s'est blessé hier soir à l'entraînement. Malheureusement, c'est Mesut Ozil. Le joueur qu'on a recruté 90 millions d'euros. Qui est touché? Fracture de la clavicule. Pendant 8 semaines, il joue pas. En gros, pendant un an, quoi. Genre, pendant toute la saison, il va pas jouer. C'est comme si que j'aurais recruté pour rien. Oh là là. Qualification Coupe du Monde. Ok. Coupe du Monde, ouais. Le Portugal. Bon, on va jouer ce match. Hein. Ah, le maillot là, il est stylé. Avec leur maillot vert là, dégueulasse. Hop, comme ça, c'est parti. Paul Pogba. Wow. Ah ouais, la puissance, elle part plus fort que mes joueurs, hein, Pogba. Et il a de la puissance dans le pied. Bon. France-Portugal, je vais laisser pour voir si elle est toujours particulier, hein, car c'est le premier match de la poule dans cette compétition. C'est celui qui va donner le tempo. Il faut très vite prendre ses marques dans ce championnat. Passer à côté d'un match, c'est de... Sur les yeux, ça serait vraiment stylé. En tout cas, je parle de Prince. Je parle de Prince, je suis bien sûr que le stade de l'équipe de France, le stade de finale de Ligue nationale, avant de devenir le stade d'un seul club. C'était bien. Ça fait bien, les grandes équipes d'Europe, pour pouvoir. Ça, c'est bien. Il a été meilleur. Il a été meilleur. Il a été vraiment avec le début sur le siège. Ah, Griezmann, il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il soit fort. Donc, ça, c'est moi. Est-ce que la Marseillaise, est-ce que les hymnes nationaux? Donc non, il n'y avait pas. Donc il y a Pépé, Ricardo, je ne sais plus comment il s'appelle. Ok, il y a Ronaldo, il y a des bons joueurs. Bon, allez, c'est bon, c'est parti. Ouais, Griezmann, qui a récupéré. Pogba, oui, Pogba. Pogba, il est parti. Pogba, oh non. Non, faut pas qu'il marque. Faut pas qu'il centre, surtout. Ouais, le ballon qui est perdu. Hop, Ronaldo. Ronaldo, il joue trop perso. Ça rime en plus. Laisse-moi te dire.
Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ouais, Griezmann. Ouais, peut-être une Griezmann. Griezmann. Oui. Et oui. 1-0. Gamero. Yes. Gamero se jette. Bien joué, bien joué Gamero. Comment les grands buteurs qui se jettent comme ça. Allez. Ouais Gamero. Belle récup. Vas-y, cours. Cours. Attention, tout seul. Un peu d'espace devant lui. Vas-y, maintenant. Je le centre. Le centre, c'est oh, pour Griezmann aussi. Non. Eder. Dommage. Allez, 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 il faut récupérer ses ballons. Faut pas qu'il s'approche. Ouais, par contre, faut bien taper. Ouais, ça joue bien collectivement. Vas-y, si Soko, bouge, bouge-le, bouge-le. Bouge Ronaldo, de toute façon, Ronaldo. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. On choisit la frappe. Ouais. Et c'est l'égalité. Bon, si ça se passe bien en équipe nationale et que ça se passe bien en club, ça va. Bon, donc là, on va faire rentrer... On va faire rentrer... Ben Arfa. Et Martial à la place de Sissoko. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça et puis je remplacerai Matuidi à la place de Kanté. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Très belle. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Hop. Donc, allez, allez. Ouais, tu vas donner ce centre. Ah, Griezmann, ce centre, dommage. Kanté et puis on va faire jouer bah, la casette. Oh, bon, on peut plus. Ce ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. La frappe. Qui yes. Se détend parfaitement bien. Et corner pour le Portugal. De la tête. Ouais, saisir de ce ballon. Ah, cette fin de match qui s'emballe. Il reste plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Peut-être le ballon le plus important de ce match. Et le ballon est très loin, c'est dégagé. Oui. Oh, c'est oui. Et c'est un but. Oh là 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 là. Allez, les deux, on met très leur actif. Oh là là, Pogba. Ah, il fait plaisir, il fait plaisir. Parce que c'est un petite reprise. Ah, ça fait plaisir. Ah bah en plus c'est une joueur pour nous quand tu le fais. De toute façon elle a une petite flèche. Elle est rentrée. 2-0, ils ont besoin d'avance tout fort. Il est bon à la frappe, il est bon en vitesse, en dribble, vraiment. Bon donc 2-0 score final. Paul, homme du match. WC qualifié. La Suisse s'est qualifiée et la Norvège. Hop, donc on est premier. Il y a la Suisse et la Norvège et donc on va jouer contre l'Écosse le prochain match. Donc dans la prochaine vidéo. Zorgul, ses débuts en fanfare. Le retour du blessé. Felipe Melo, ok. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et de t'abonner. C'était Zorgul.